Chicomo, mais il ne semble pas avoir perdu ses vilaines habitudes, Justin. On passe intercepté. Voilà la sortie de Melançon qui s'en va seul et a été rejoint. C'est le tir de Manceau sur la passe arrière qui marque. Et le but est marqué sur le premier tir des Cataractes au filet. À Crossman. Et le tir, là, il y a eu contact là, entre Alex Seyev et Blanchet. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais là, c'est le but de Crossman par la suite. Et bien là, c'est un. Mais j'ai pas vu le contact avec Blanchet. J'ai vu Alex Seyev coucher par terre avec Blanchet, mais. Tir à pénalité, ça n'a pas été le cas. Tir de Saint-Louis bloqué par Blanchet qui perd le retour. Cherche la rondelle devant lui. Elle est toujours libre entre plusieurs patins. Et là, le but marqué par Légaré. Ah ben là, Blanchet l'a cafouillé. Blanchet a donné, malheureusement, n'a pas été en mesure de conserver la rondelle. On avait deux défenseurs devant lui qui l'empêchaient d'aller mettre sa mitaine. Et là, c'est Tchékovitch maintenant pour l'Italien. Mackaysack tire frappé bloqué sur le retour. La rondelle est dans le but. C'est Légaré qui a complété le travail alors qu'il reste environ 4 pouces. C'est passé la rondelle. Crossman maintenant pour l'Italien. Vers Alexeyev pour Ortiz au point d'appui. Maintenant à Corbeil. Corbeil lance au bouchon. Et la rondelle a dévié devant le filet. C'est peut-être Crossman. Parce que oui, avec la réaction qu'il a, je crois qu'Ethan Crossman a fait habilement dévier cette rondelle derrière Justin Blanchet. Blanchet en plongeant pour empêcher Crossman d'obtenir son truc du chapeau. Voilà, Etier. Pour Crossman, vers Bouchard. Bouchard maintenant, tiré court! Et maintenant, 5 à 1. Donc, comme je disais, on marque un double avantage numérique. Il nous reste encore 1 minute 14 à 5 contre 4. C'est maintenant 5 à 1 pour le braqueur.